Hello à tous, c'est Arosérion. Bonjour, bonjour. Ça fait un petit moment, effectivement. Ça fait un moment. J'ai regardé aujourd'hui 4 mois sans une petite vidéo. Et effectivement, ça fait un moment. Ça fait un moment. Donc voilà, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont fait que forcément on ne peut pas toujours faire comme on veut. Donc on s'adapte. Et forcément, au bout d'un moment, voilà, ça prend du temps. Et puis voilà, maintenant, donc, on a tout remis en place. Ou presque. Ou presque. Parce que mine de rien, là, je suis sur OBS. Et OBS, 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 il veut pas. Il veut pas. Je sais pas ce qu'ils ont avec. Ou alors c'est Diablo. C'est Diablo. Personne n'aime Diablo. Parce que même Twitch. Oh, je vais même oublier. Non, je vais pas la mettre. Je mets pas. Je mets pas. Je mets pas. Non, je mets pas. Je voulais le mettre, mais je le mets quand même. Allez, hop, je mets un petit peu de fond. Parce que j'avais envie quand même de. Voilà, un petit peu de musique. Un petit peu de. De trucs, ouais, voilà. Parce que bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a presque beaucoup plus d'eau, donc ça va être difficile. Allez, on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, pourquoi? Parce qu'on est là pour une nouvelle vidéo, bien sûr, sur Diablo 3. Bon, même si je ne fais pas que du Diablo 3, hein. Je me suis mis un petit peu à Overwatch, c'est pas trop mal, c'est sympathique. Donc voilà, donc on va faire un petit peu de Diablo 3. Et pour continuer un petit peu ces saisons-là, pour faire les hauts faits de saison. Les hauts faits de saison. Non, je suis pas dans les hauts faits de saison, là, je suis dans les objectifs de saison. Voilà. Donc, objectif de saison. On en est au destructeur, comme vous pouvez le voir. Je suis pas mal. Là, j'avance, j'avance, j'avance. Et donc, il y en a un qui me ref... Bon, celui-là, je vais l'avoir, niveau 30. C'est vendu, la gemme elle est là, j'ai juste à choisir mon objet légendaire, mais mon petit ancien, mais c'est pas grave. Le plus important c'est celui-là, terminer une conquête. Donc il faut que je fasse une conquête, et je vais m'attaquer à une conquête, on va dire, une des plus faciles, même si les conquêtes sont pas faciles. Donc on va faire une des plus faciles. Alors on va dans les conquêtes, donc c'est pas celle-là, parce que mine de rien, faire les 5 actes en moins d'une heure, il faut être à 4. Minimum, de toute façon, on n'a pas le choix. Et voilà, c'est pas possible en solo. Alors, l'enrichissement personnel, c'est celui-là qu'on va faire, l'accumuler 50 millions de pièces d'or. Alors, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'avais présenté justement une manière de le faire, et puis avec le set spécifique et ainsi de suite. Là, j'ai changé un petit peu de manière de faire. En ayant pratiquement le même paragon, je me suis rendu compte que le set de l'essence des sacralisés était vraiment bien adapté et qu'on arrivait à faire pas mal de dégâts. Enfin voilà, vous allez voir. Je vais vous montrer. Ça va être vite fait. On va pas, de toute façon, ça va pas durer longtemps. Cette histoire, ça va être réglé. Donc, 50 millions de pièces d'or d'affilée, hein, faut pas oublier, hein, c'est d'affilée, hein. Encore l'extrême, j'ai pas de perso extrême cette fois-ci pour l'instant. 3 gemmes de niveau 65. Je suis pas loin, je vais avoir une ou deux gemmes en 63, un truc comme ça, donc c'est faisable. De 65, ça va se faire. C'est pas un souci. De toute façon, il me semble, pour avoir un emplacement dans le coffre, il faut finir le gardien. Ouais, je sais plus. Je sais plus, ça fait un petit moment là, j'ai zappé. Et le gardien, un des objectifs de saison, c'est justement de faire 3 conquêtes. Donc là, je vais faire la première. Les gemmes de niveau 65, ça va être la deuxième. Par contre, pour la troisième, ça va être peut-être éventuellement la faille supérieure. Niveau 75 en solo. Ouais. Alors, il faut se dire que. Ou alors celle-là. La faille supérieure 45 sans être équipé d'un objet d'ensemble, ça peut être faisable. Sinon, la solution, c'est de faire le 50 millions de pièces d'or en extrême. Honnêtement, j'ai monté mon chasseur de démons avec tout le stuff désacralisé, plus les différents. Ah ouais, mais là c'est en extrême, donc je recommence avec zéro. J'ai plus rien du tout. Ouais, on verra. Voilà, je vais pas papoter pendant 107 ans. On va faire l'accumulation de 50 pièces d'or. On va juste présenter le set, hein, les acquis, enfin ce qu'il faut, quoi. D'accord? Dans un premier temps,
Donc là, voilà, on présente tout là. Donc je suis en désacralisé, ok. Et pour essayer d'avoir le plus haut niveau d'or en ayant le plus haut niveau de dégâts, j'ai dû forcément un petit peu faire un mix entre les deux. Et là, je suis pas mécontent de ma trouvaille. Je suis pas mécontent. Donc je suis en paragon 610. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon petit niveau, d'accord. Donc, avec le désacralisé, j'ai choisi de ne pas garder le torse et donc de mettre la cuirasse légendaire, la toison d'or. Donc la toison d'or, forcément, c'est 100% d'or supplémentaire de suite. Et les ennemis ont des chances de générer de l'or quand vous les touchez. Donc ça, c'est un gain en plus. Je connais pas le gain, je peux pas, je sais pas, je connais pas du tout. Mais j'ai surtout mis pour les 100% d'or supplémentaire. Ensuite, j'ai mis donc la fameuse amulette de Kimbo, l'or de Kimbo. Et celle-là, c'est pareil. Au niveau des... Tu vois, je me suis rendu compte que j'avais des dégâts de feu pas mal, pas mal. Donc, allez, sympa, celle-là, en plus, en or, là. Donc, 98% d'or en plus. Donc, ça fait pas loin des 200% d'or en plus, encore. Et la gemme, donc la joie du tessorisseur, toujours la même, bien sûr, au niveau 50, qui permet d'avoir 100% de chance de provoquer de l'explosion d'or en tuant les ennemis. Elle augmente la vitesse de course pendant que vous ramassez de l'or. Donc ça, c'est très important. Parce que il faut avoir une certaine rapidité quand même dans cet objectif. Parce que si on reste statique, si on n'est pas assez rapide, ça va pas bien se passer. Donc là, on est à plus ou moins 200% d'or. Et donc, j'ai fait l'impasse donc sur la toison. Donc j'ai mis dans le cube, forcément, l'anneau de grandeur royale pour bénéficier de tout le set en entier. En tant qu'armure, j'ai mis la couronne de Léoric, justement pour avoir 100% de plus encore sur la gemme enchâssée dans le casque, en sachant que quand on enchasse donc une émeraude, quand on enchasse une émeraude dans le casque, c'est 41% d'or en plus, donc plus le casque, c'est 141 d'or en plus. J'ai gardé la rosée pour la vendetta. Ouais. J'en ai pas forcément besoin pour cet endroit-là. Mais comme vous le voyez, je suis à 16 000% en tourment 10. Là, je suis en T10. Je suis en T10, oui, parce que la dernière vidéo que j'avais fait, c'était en T6. Et T6, voilà, c'était un petit peu délicat. Donc j'avais expliqué une manière de faire. Il fallait ouvrir d'abord toutes les portes, n'est-ce pas? Il suffit de regarder l'ancienne vidéo, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un peu idiot de regarder une ancienne vidéo pour regarder une vidéo. Donc, absurde, donc... Le but, c'était justement d'ouvrir toutes les portes, de faire toute la map, et ensuite de se lancer. Et ben là, j'ai découvert qu'avec le set que j'avais, je pouvais me permettre justement d'y aller franco, et ça passait plus ou moins très bien. Très bien. Donc on va faire le haut fait en live, parce que justement, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore réalisé. Je l'ai exprès laissé pour la vidéo, ce sera en direct. Ah non, c'est pas ça. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. Le Templier, non, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc les petites bébêtes, là, c'est ça, là, c'est les forcenés déchus qui se battent à mes côtés, et j'ai mis du temps à savoir d'où ça venait de là. Donc j'ai rajouté des gemmes, là, histoire de... Ouais, mais voilà, bon, bref, sans plus. On peut le faire, je pense, sans lui, c'est pas un souci. Donc je suis en T10, 16 000% d'or, l'acte 5, les ruines de Corvus... Adria, on n'a pas besoin de la tuer, on s'en fout un petit peu. Ah, ça va être sympa, ça. Ah, ça va être sympa, ça. Ah oui, voilà, j'ai oublié. Oui, donc, la dernière vidéo, je pouvais pas justement vous montrer le petit truc en bas, là. Donc, j'ai... hop, on a fait un spécial, voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir le cumul des 50 millions et justement voir ce haut fait s'afficher. Ici, là, il sera plutôt là. Ah oui, je suis inversé, moi. Il sera affiché, là. Et vous le verrez, donc en espérant que ça va pouvoir marcher, n'est-ce pas? Alors oui, j'ai aussi mis les furets, j'ai oublié de le dire. Alors que normalement, les furets, c'est pas les furets qu'on met avec ce set-là, c'est le loup. Oui, c'est le loup, pour bénéficier justement des dégâts en plus. 10, 15, voilà, 60 mètres en 10 secondes. Donc j'ai mis les furets qui vont permettre de ramasser l'or. Ça peut être un atout, parce que des fois... Si vous perdez le fil, vous avez une chance que le furet justement puisse récupérer de l'or, et c'est pas indéniable, en sachant que vous avez 10% d'or en plus. Ah, et la vitesse de déplacement en plus. Voilà. Donc la vitesse de déplacement en plus, 10%, plus justement
le déplacement de 10%, et en sachant que j'ai mis la poursuite acharnée en compétence, je refais les mots, justement pour avoir juste le 20% de plus encore, pour vraiment optimiser les déplacements. Voilà, pour vraiment optimiser les déplacements et pouvoir justement assurer et de pas couper le fil, parce que les 50 millions, il faut les accumuler, comme j'ai dit, hein, d'un coup. Et c'est pas évident, vous verrez. Enfin, j'espère que dans la vidéo, là, ça va marcher. Donc, on va tout de suite partir. Hein. On va d'abord prendre ça. Alors, donc là, vous allez voir, ça va péter les thunes. Voilà, bah déjà, c'est déjà cuit, là. Allez, 400 000, c'est bon. On est parti, là, maintenant. Alors on va essayer de pas s'arrêter, donc si alors on la laisse, on va pas la ramasser. Ah, je suis déjà à 2 millions. Pff, voilà, c'est... En plus, je... Ah, il y a encore de l'or. Allez, hop. Allez, on continue, on va pas lâcher le bout. On va pas... En espérant que... Putain, c'est bizarre parce qu'ils proquent pas les petites bébêtes, là. Où c'est qu'elles sont, les petites bébêtes, là? C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Hop, j'en profite pour ramasser ça. Alors j'espère que... Non ! Ben oui, mais... Pff, vache ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je le savais. Mais c'est bizarre parce que... Il y a les petites bébêtes normalement qui proquent assez rapidement. Et là, voilà, les petits trucs là. C'est bizarre que d'un coup là, j'ai perdu le fil. Je comprends pas. Bon, allez, hop. Ah, 5 millions, 6 millions, on va les laisser ramasser. Voilà. Donc vous voyez que... Oh putain, ah oui, c'est bon. On voit que le truc, les furets sont quand même utiles, parce que justement, ils permettent de temporiser, mais... Oh putain. Allez, maintenant, ah si, c'est bon, il l'a pris. Ouf. Je me permets de ramasser les trucs alors que normalement voilà il faudrait pas le faire. Voilà. Ah là c'est bon ça. Ah ça c'est bon ça. Voilà, hop, on va s'éloigner vers là. Allez, ramasse l'or, s'il te plaît. Voilà. Là il y a de l'or là. Oh. Voilà, ramasse. Voilà. Ah putain, j'ai fait le con. Non, c'est bon, recule, 20 millions. Allez, on est à 20 millions. Perds pas le nord, pèle pas un nord, mon petit. Allez, il va ramasser là. Voilà. C'est bizarre, parce que d'habitude, il y en a la plus, là. Non. Alors, Allez. Je crois que j'aurais mieux fait de... faire l'ouverture des portes. Alors on va partir là pour ouvrir la porte. Voilà, on va revenir ici. On va ramasser l'or. Oh putain, ouais, là. Allez, fais pas le con. Excellent. T'es trop bon, mec. Génial. Super, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, c'était ça. Donc comme quoi, hein, le fait d'ouvrir les portes, c'est pas banal, quoi. C'est pas rien. Justement, ça permet de... Bah voilà, je suis à nouveau perdu. Ah si, c'est bon. Ah putain. Donc c'est faisable, hein. Ça se voit. Voilà, quoi. Pourquoi il n'y a plus de monstres, là? Ah putain. Mais c'est quoi ce délire? Non. Oh putain. Et ils apparaissent, ils ont un temps d'apparition assez élevé. Putain, là, il n'y en a plus, si, ça y est, voilà, 4 millions. Mais je ne veux pas y arriver, là. Parce que là, les 50 millions, je les avais déjà. Et donc, avec... hop. Ah, j'aime bien, je fais tarder. Ah non, mais là, ils sont... Voilà, justement, là, j'arrive au... À la boucle, à la fameuse boucle, justement, où au bout d'un moment, après, on peut plus avancer. Enfin, on ne peut plus avancer, mais on n'a plus de... Allez.
Allez, ramasse l'or, voilà, hop. Et là, il n'y a plus rien, quoi. C'est moche, quoi. C'est moche, mais putain, mais à nouveau! Et c'est fou, ça, hein, ça va à une vitesse! Ah non, là, c'est cuit. C'est cuit, là, j'ai quasiment fait toute la map, et... Voilà, c'est... Oh, putain. Ça, c'est l'avantage d'avoir le set... Ah, oh, ça peut se faire, mais... Alors, je ramasse pas, je vais essayer... Ah, putain, voilà. Voilà. Ah, putain, c'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. Ah ouais. Ah, il y en a encore là. Oh, je vais pas avoir 15 millions. C'est pas possible ça. Ah putain. Ah c'est dommage. Ah c'est dommage. Ah non. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Allez. Allez, s'il te plaît. Non. Ah c'est foutu quoi. Ah oui, mais ils viennent une heure plus tard quoi. Là ils sont là. Voilà. Ils peuvent pas venir plus vite quoi. Bon, c'est pas grave, on y était presque, hein, 42 millions, donc c'est faisable, hein. Après, c'est un haut fait de conquête, hein, c'est... Ah bah voilà, là, ils sont, là, les... Pff, je pète, là. Ah, j'aurais pu continuer. Ah bah oui, j'aurais pas dû m'arrêter. Ah, comme quoi, il faut pas s'arrêter, hein. J'aime bien parce qu'ils apparaissent, hein. Ils apparaissent une heure plus tard, quoi, c'est... Ah, c'est une technique, il y a moyen de les avoir. Ah putain, ouais, ça c'est le. Ah, je sais pas combien j'ai ramassé, je dois être à 70 millions là, si c'est pas plus. Donc voilà, c'est faisable, largement faisable. On va pas dire qu'il n'y a pas. Donc voilà, ouais, effectivement, là, ah oui, il y a cette fameuse, elle était là, la boucle. En plus, j'aurais pu, ouais, ah, c'était pas mal quand même, le chemin était sympa. C'est dommage que j'ai zappé. Donc, c'est pas grave, on va recommencer, hein, on va réussir, hein. C'est, de toute façon, c'est clair que, du premier coup, si c'était aussi facile, ce serait pas au fait de conquête. Et encore, je suis en tourment 10, je vais en tourment 11. Mais j'ai peur qu'en tourment 11, donc on a... ah vache, ouais quand même. En tourment 11, ça va être beaucoup plus difficile parce que forcément, bah, les monstres, hein, la vie, elle augmente. La vie, la puissance, elle augmente. Donc je suis pas sûr de passer. Par contre, je vais avoir 4000% d'or en plus. On va essayer, hein. On va essayer. Alors, il y a combien de pourcents là? Je dois être à 20 000, là, presque. 18 000. 18 000, j'ai gagné 2000% à peu près, j'étais à 16 000. Hein. Ouais. Allez, on va essayer quand même. On va essayer, si ça passe pas, bon, on reviendra en T10. Ah merde, j'ai pas fait la... Ouais, mais j'avais pas de... Je suis pas mort, quoi. Là, je suis en T11, je vais quand même faire gaffe. Je vais quand même faire gaffe. Hop là. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai ramassé des trucs. Ah ouais, quand même 2000. Ouais, c'est rien ça. Allez, hop. Allez, on y va. 3, 2, 1, 0. Alors. Donne petit monstre à moi. Ça y est, c'est parti. Allez, hop. Alors tout de suite, ouais, ça va, ça passe. Oh putain. Hop. Je suis passé au milieu des gouttes. Mais c'est dingue parce que t'as l'impression qu'il n'y a pas de monstre quoi. Bon alors je vais pas me focaliser sur le truc. Sur les pépettes parce que je pense que là je vais... Ouais tant pis, je vais la ramasser plus tard. Putain ouais là je... C'est pas que je morfle mais... Allez, je vais quand même ramasser. Hop, parce que là, je pense que... Voilà.
En fait, c'est ça, c'est si vous voyez qu'il y a qu'il y a des pépettes plus loin, hop, on avance. Si vous voyez qu'il n'y en a pas, donc on va à droite, là on surveille, hop. Voilà, on va essayer de voir quand même là. Oh, attention, hein, parce que faut pas oublier qu'avec le set que j'ai. Oh! Oh putain! Ouf! J'ai juste vu partir. Est-ce que j'ai les. Merde, ils m'ont. Ah, oh, ils les ont bouffés! Non! Oh putain! Voilà, je devrais y arriver là, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Non! 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 Ah putain, 43 millions. Déplorable. C'est quoi là? Je suis dans. Oh putain. Ah ouais, tombe en 11, hein, ça picote, hein, merde! Ah ça, aïe aïe aïe! Oh! Ah oui, nouvel événement. Il fallait qu'il me foute cette truc là de merde. Bon ben, c'est pas grave. Oui, mais. Fallait que je tombe avec celui-là. Non, c'est pas grave. Faut que je m'éloigne. Voilà. Ouais, maintenant ils arrivent tous là. Hop, voilà. Ouais, non, c'est pas la peine là, de toute façon. Encore, allez! Qu'est-ce qu'il me fait là? Et il régénère pas autant que. Parce que j'ai pas tous les 7 non plus. J'ai enlevé une partie du. Ah, il fallait que je tombe dans cette faille là de. Dans cet événement là de. Merde. J'ai perdu 43 millions j'avais, hein. Merde. Donc il faut trouver le bon équilibre entre le niveau. Autant on se dit on est à l'aise avec le tourment 10. Ah ça y est, je peux y aller. Alors j'aime bien parce qu'il me dit la chambre d'or, mais quand on voit ce qu'on chope, voilà, 1 million. Pff, tout ça pour ça. Alors j'en suis où? Bon, je suis qu'au début, c'est pas grave. Alors je pense que là, il y a une boucle à gauche. Et si je vais à droite, je continue vers. Donc on va essayer de faire le. Je vais essayer de faire la continuité. Là, la porte, elle est ouverte. Donc vers là, il va y avoir des monstres. Attends, on va essayer de voir. Peut-être qu'ils vont apparaître. Ouais, super, ok. Hop, il y a des monstres, donc on va attaquer ici. Allez, c'est reparti pour un tour. Ouais, ça va aller. Donc là, il faut qu'on avance parce que même s'il y a de l'or, hop, voilà, il n'y a pas d'or, hop, voilà. Ça va vite, n'empêche, donc il y a moyen de pouvoir le faire, cet or-là. Voilà, on ouvre la porte. C'est quoi? C'est fermé? Hop, voilà. Allez, on va revenir un peu en arrière là. On va ramasser. Hop. Est-ce qu'il y a un moyen? Il y a moyen? Il n'y a pas moyen? Oh putain. Oh putain. Je sais pas si je vais tout droit. Non. On va aller par là. Voilà. Parce que là, je savais que j'en avais. Pourquoi tu prends le truc?
t'as eu du cul, mon gars, t'as eu du cul, c'est pas possible ça. Allez, 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 c'est bon là. Non! Allez là! Oh purée, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Yes! Et voilà! Vous avez vu, en direct, live, voilà, 53 000, on va essayer de faire le maximum maintenant. Oh purée! Ah, j'ai pas d'or, une mine. Non, trop tard. Bon, bah voilà, 53 millions, c'est fait. Au fait accompli. C'était une formalité, voyons. Alors, je dirais, ouais, enrichissement personnel, donc voilà. Hein, hop, oh merde, il veut même plus me présenter le au fait, enrichissement, 50 millions. C'est fait. Voilà. On peut passer à la suite. Donc on va terminer, hein, si déjà, on va s'en mettre. Je crois même que j'ai laissé des pépettes là-bas aussi, alors bon. Donc je pense qu'en T10 j'aurais été un peu plus à l'aise. Bon bah voilà, ça passe en T11, tant mieux. Mais c'est ces petites bébêtes là qui rapportent le max quoi. Ça c'est clair, c'est... Ah, un petit élite. Alors j'ai eu de la chance je dirais parce que j'ai pas beaucoup croisé d'élite. Donc ça pas... Là comme vous voyez, bah, ça freine, hein, ça ralentit la progression. Et là forcément je suis cuit. Là, si je l'avais croisé avant, au dernier moment, là, c'était bon. Tu m'enlèves tes trucs là que j'aime pas. Hein. Ah oui, forcément là, et dès qu'ils sont un peu plus gros, on a un peu de mal. Hein. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que avec le set que j'ai, j'inflige 20 points de dégâts de plus à distance. Donc il faut que je m'éloigne des monstres pour. Ah bah ça y est, j'ai fait la boucle. J'ai fait la boucle. Ouais, j'ai fait combien? J'ai fait la boucle. Bon, on va regarder, on va la finir, on va. Si déjà, parce que là, autant. C'est là. Hein. Oh, attends, on va essayer là. Ah bien vu, aveugle. J'avais dit que là. Allez, on finit. Voilà, c'est pas les pépettes qui manquent, hein. Donc effectivement, à un certain moment dans le jeu, si vous avez besoin de pépettes, voilà. Et encore, c'est vrai que je l'ai oublié cette technique parce que à un moment donné, j'étais un petit peu mal au niveau des gemmes parce que bah, forcément, il fallait que je fasse des gemmes, mais j'avais pas assez d'or et j'ai pas du tout pensé à cette technique. Alors qu'en fait, voilà, c'est... C'est... Allez, facile, c'est pas le plus difficile du jeu. En sachant que, justement... Il y a des objectifs, des fois, beaucoup plus difficiles. Rien que la faille 75, à mon avis, c'est une autre histoire que ça. Là, vous avez vu, j'ai pas essayé 100 fois. J'ai fait deux essais. Voilà, deux essais. Et ça s'est bien bouclé. Mais je dirais que j'ai quand même eu de la chance. Allez, un dernier. Un dernier, là, il y a des trucs. C'est bon, c'est fini. Voilà. Hop. Putain, 2,5 millions. 2 millions. Ah, il y en a encore. Ah, les petits cochonours. Ah, voilà, c'est fait. Allez, on peut rentrer. Non, Adria, je veux pas tuer Adria. Je vais pas tuer Adria. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, tiens, je vais faire ma GM30. Donc on va mettre ça là. GM30. Il faut que je mette... Qu'est-ce que je fais? Mais non, tu fais n'importe quoi, mon gars, là. Voilà, on fait ça. Ça, on va l'ouvrir. Hop. Poubelle. Hop. Ouais. Donc je disais, je vais me mettre ma GM30. Je vais le mettre sur celui-là, même si... là, voilà. On va ranger un petit peu, là, parce que c'est bordélique. C'est quoi, déjà la gemme, plus... qu'est-ce qu'il faut?
Hop, alors, reforger, non, améliorer, non, convertir, renforcer, voilà, donc, ah oui, il faut trois, oh putain, trois émeraudes, ah bah oui, maintenant j'ai des pépettes maintenant, donc je peux y aller, trois émeraudes, ouh, c'est bientôt l'heure, trois émeraudes, et c'est sur l'arme, ah merde. Ah, ah, il me faut une 40. Ah, il me faut une 40. 40 et 3 émeraudes. Alors, on va déjà faire les émeraudes. Donc, allez, on va faire ça. 169. Ouh là, ça coûte un bras, ça. Ouais, allez, facile. Facile. 77. Donc là, il en faut... 9, 27. 27 pour faire... voilà. 9. Ah merde, non. T'as fait le con. Allez, on recommence. 171. Hop. Voilà. Pourquoi j'ai fait pas tous? Bon, c'est pas grave. Et là, on avait dit... 27. Oh! Voilà. Ruby Royal. On va les garder. Pff, je fais de la merde. Hop, voilà. Allez, on se dépêche là. C'est pas qu'on n'a pas que ça à faire. 9, ça, voilà. Voilà, ça c'est fait. Tout simplement converti les gemmes. Et là, on a la 3. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, on va chercher la petite gemme 40. On va prendre celle-là, voilà. Hop, la petite gemme 40. Et on va... Alors, ça, et... Elle est où, là, 40. Et c'est parti. Voilà, périple du destructeur. Fini, on n'en parle plus. Réglé. Amélioration de puissance 30. D'accord. Bah oui, c'est le fait que je viens de faire. Donc... Ah, il m'a donné un petit gain, hein. Un petit quand même, 40. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre une... Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme gemme là? J'ai pas de gemme plus haut. Ouais, mais celle-là, je vais les garder là, parce que je vais les monter plus haut. Donc là, c'était surtout pour faire le haut fait. Surtout pour faire le haut fait. Non, toi, tu restes là, parce qu'il faut que je t'échange après avec le casque. Toi, tu peux partir, voilà. Hop. Donc toi, tu t'as servi à rien, mais tu vas servir plus tard. Voilà, ça c'est fait, ok, on y est. On va se faire plaisir après, je vais y retourner chercher de l'argent, de l'or, pardon. Donc là, on en est où maintenant? Destructeur terminé, voilà. Et maintenant, on arrive au conquérant. Ah, voilà, et si je termine le conquérant, je vais avoir un emplacement de coffre en plus. Mais, terminer une faille de niveau 70, tourment 13 en moins de 5 minutes. Ça, j'ai pas encore fait, sinon ce serait déjà validé. 3 gemmes de niveau 55. Faisable. Ça va. 3 gemmes de niveau 55. Ça va. Si, ça va. 2 conquêtes. Voilà. Donc déjà là, c'est autre chose. Il va falloir que je... C'est 2 conquêtes. Donc ça va. Gomme en moins de 30 secondes en T13. Alors, avarice, tourment 13. Ah ouais? Ah ouais. Oh bah écoute, ça va être fait. C'est pas un souci. Niveau 60 solo, bah j'ai fait, voilà, super. Utiliser le cul pour améliorer deux objets. Ah, deux objets légendaires avec une gemme de niveau 40. Et utiliser le caille pour reforger un objet légendaire. Ouais. Ça, attends, qu'est-ce qu'il faut déjà? Ça, je vais le faire aussi. Reforger un objet. Ah oui, c'est les fameux 5 de chaque et 50. Je sais même pas si j'en ai 5 de chaque. Oh, si, je vais pouvoir le faire. Allez, reforger un objet légendaire. Donc là, il faut que je vois. 2, 4, 6. Ah merde, je l'ai pas gardé. Hein? Attends. Non, tu t'égares là, mon gars. C'est pas un 7. On te parle de reforger un objet légendaire. Ah oui? Il est où le problème?
Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai un en double, là. Qu'est-ce que j'ai en double, là? Ouais, voilà, par exemple, ça. Allez, hop, ça, je l'ai. 5 de chaque. Ou pas, attends, reste là, toi. 5 de chaque. Hop, hop, hop. Et ça. Hop, voilà. Voilà, on va le faire. En direct live. On aime bien les hauts faits. Hop, 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 hop. Et voilà. Et de deux. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, quand même, hein. Il y a un peu plus de bonnes stats maintenant. Bon, par contre, maintenant, j'ai plus de matériaux de qu'à pour. Voilà, on va mettre là. Il était bien ici. Ça va être dur le 3. Il faut que j'en refasse de toute façon. Ouais, moi, je sais que le 3, il me manque. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pour le reste, on verra. Ça va se faire. Bon, au fur et à mesure, forcément. J'aime 55, je m'en soucie pas. C'est pas un souci, ça va se faire. Par contre, les deux conquêtes là, deux conquêtes. Ce sera les 3 gemmes de niveau 65. Ce sera les 3 gemmes de niveau 65. Parce que c'est facile de se glisser un petit peu dans les failles. Niveau 75 solo, j'y suis pas encore. Là, je suis à peine à 61. 14, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Donc voilà, c'était la petite vidéo. J'espère, je ne sais pas combien de temps. 36 minutes. Allez, ça va. C'est sympa. Une petite vidéo comme ça de 40 minutes. De toute façon, je suis sûr que vous avez déjà quitté depuis longtemps. Voilà. Donc, bon courage à tous. À la suite. La BlizzCon. Donc c'est vrai que j'attends de voir tous les cosplay, les concours de dessins, de vidéos, les cosplay. Bien sûr, je vais pas la louper cette BlizzCon parce que je pense que allez Diablo, il y aura une annonce cette fois-ci. Je le pense. Ce serait mieux, ce serait top. Allez, ciao, à plus, à la prochaine.